Regarde, monsieur Pestet. On rigolera encore pas cette année. Oh, tu crois? Colin, sommes de vieux Colin. On a voyagé avec un mort. Il y a des haricots. Ouais, fils muet, ouais. Dites donc, au soeur, finis les vacances. Par ici, vous. Allons. Pardon, monsieur. René Tabar ne rentrera que demain matin. Il a le cœur gros ce soir. Un mort, je dis un mort. La preuve. La preuve, le labo. Le surveillant Huguet. Silence, pardieu, et en haut. René Tabar, absent, dort cette nuit avec ses parents, rentrera avec les externes demain matin. Bonsoir, monsieur le surveillant général.
Qui est là? Costa, monsieur. Bruel, monsieur. Colin, monsieur. Et Dupont. Je n'ai appelé personne, aucun de vous trois. Vous y êtes restés-y. Et jusqu'à 11 heures. Monsieur, il peut y aller. Monsieur, il a mal au ventre. Monsieur, j'ai mal au ventre. Ouh, monsieur, j'ai mal au ventre. Monsieur, j'ai mal au ventre. Monsieur, il peut y aller, il a mal au ventre. Monsieur, j'ai mal au ventre. Il a mal au ventre. Monsieur, il peut y aller, il a mal au ventre. Monsieur, j'ai mal au ventre. Il peut y aller, quoi, il a mal au ventre. Monsieur, j'ai mal au ventre. Et vas-y, t'occupe-toi de cet imbécile-là. Comme ça. Bruel et Colin, vous êtes là? Oui, monsieur. Allez vous coucher. Merci, merci, monsieur. Bruel, Cossa, Colin, zéro de conduite, consigné dimanche. Oh, alors, ça ne change pas. Chut. Oh, si! Mes amis, voilà le plan. Le complot est prêt. L'air se fait rare. On est collé chaque dimanche. Il faut sauver. Là, le grenier et les munitions. Roger, t'as découvert la cachette au vide. C'est un cafard. Faut lui casser la gueule.
Du tabac, pourquoi qu'il regarde? 22, le pion. Oh, Huguette, c'est un brave type. Attention! Alors, le grand jour, on hisse le drapeau. Et les munitions. Mec de gants. Allons vite, voyons, à vos places, quoi. Colin, on a volé mon chocolat. Il a fouillé. Oh, il a fouillé. Attends, donne-moi ton pot de colle. Donne-moi ton pot de colle. Mon 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 pot de colle. Là, doucement. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Passe-moi le papier qui est dans le tiroir. Et l'encre. La plume dans la main. Garde bec de gaz, comme il est beau. Monsieur,
Donnez-moi ça. À vos places. Non. Non. Cossa et Colin, apportez-moi donc vos livres d'algèbre. Ou plutôt non. Zéro de conduite, consigné dimanche. Monsieur le principal arrive. Monsieur le principal est là. Monsieur le principal. En route, monsieur. Monsieur le surveillant général, voulez-vous venir dans mon bureau? Notre fête, monsieur Sant, approche. C'est notre petite réjouissance, n'est-ce pas? Mais surtout, pas d'histoire, pas d'aventure. À propos, Bruel, Cossa, Colin, n'est-ce pas? Surveillant Huguet, que vous croyez si convenable, ce que vous m'en dites m'inquiète, n'est-ce pas? Thank you.
sûr, monsieur Sante, selon vous, surveillant général, Tabar et Bruel se conduiraient comme des petits enfants, des gamins, pas sérieux du tout. Et envisagez-vous toute notre responsabilité au point de vue moral? Monsieur Huguet rentre seul. Et la promenade. C'est intolérable. Ça y est, encore ensemble. Cette amitié devient excessive. Monsieur le surveillant général, vous aviez raison. Il faut les surveiller. Qu'est-ce que tu veux? La perruque. Oh, il a recollé, c'est lui. Qui? Ben, Huguet, t'as pas deviné que c'était un chic type? Allons le dire à Bruel. Bruel, il était avec sa fille. Tabar, c'est comme Rouget. Rouget, attends. Tiens. Laisse en dessous. Viens avec moi. Regarde. Ferme ça. Ce que vous me voulez. Attends. Ferme la porte. Attention. 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 À droite. À gauche. T'as vu que c'est Colin? Il ne m'aime pas, tu sais. D'abord, ils ne veulent pas de moi dans le complot. Mais n'aie pas peur, ce sont mes copains. Tiens. Va te coucher, bonne nuit. Entrez. Assez-vous, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Mon petit, je suis un peu ton père. À ton âge, il est des choses, n'est-ce pas, qui... Enfin, Bruel est plus âgé que toi. Ta nature, ta sensibilité, la sienne, n'est-ce pas, de névropathe, de psychopathe. Que sais-je ?
Viens, viens près de moi, viens donc. Cossa et Colin, au parloir! Eh ben dites donc, vous voulez que je vous consigne? Tu as vu cette révérence de dimanche? Moi, je reste ici avec maman, à la cuisine. Toi, tu vas ouvrir Poupoule. Tabar, viens là, viens. Colin, Colin, donne le chocolat à Tabar. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-nous tranquille. Mais non, c'est pas un traître. C'est un copain. Cossa a tort de l'écarter du complot. Je te le dis, puisque je te le dis. D'abord, il a une cachette. Tu verras. Il nous aidera. Il n'aime pas les pions. Je te jure qu'il n'aime pas les pions. Surveillant général. Oui, des haricots. Toujours des haricots. Je ne peux tout de même pas donner tout le temps des haricots à ces enfants-là. Silence. Eh bien.
une cachette. Qui, tabard, quelle cachette? Je sais pas. Et si tu sais pas, laisse-moi tranquille avec tabard. C'est Brulal qui voulait de lui dans le complot. Tabard, c'est une fille, qui je te dis. Depuis qu'il a été chez le principal, je ne sais pas ce qu'il a. Je te dis que c'est une fille, moi. Qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il sait dire? C'est spirituel, ça. Mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Eh bien, mon petit garçon, tu ne prends pas de notes ce matin, hein? Ah, à la bonne heure, c'est très bien. Ça, c'est très... Oh, mais c'est moi. Ah, mon petit, je ne te dis que ça. Eh ben, moi, je vous dis merde. Mon petit, le conseil de discipline, n'est-ce pas, a consenti, sous la forte pression de ton professeur trop bienveillant, vous êtes magnanime, monsieur Vieux, a consenti, dis-je, par considération pour ta famille, par bonté pour toi, et à l'occasion de notre chère fête qui sera célébrée demain, à te pardonner. Mais, n'est-ce pas, du reste, tu es venu spontanément, si j'ose dire, me prier d'accepter tes excuses, qui ne sauraient avoir de valeur que formulées en public et devant tous tes camarades. Nous attendons. Eh bien, dis-nous ce que tu veux nous dire. Dis-nous ce que tu as envie de dire, allons. Monsieur le professeur, je vous dis merde! Debout!
principal, les enfants se sont enfermés dans le grenier. C'est étonnant, on n'a jamais vu ça. Monsieur le préfet, quelle fête! Ah, seigneur, quelle fête! Monsieur le préfet vient de s'asseoir, il est assis. Allons-y, allons-y. C'est très grave.